Hello. Alors, comme vous êtes tous bien là et que c'est vraiment agréable, je vais vous montrer un petit peu. Donc, il y a du monde partout sur les parkings. Et alors, à l'intérieur, je peux vous garantir qu'on n'a pas froid. Mais il y a encore beaucoup de place, regardez. Là, tout le monde discute tranquillement autour des systèmes donc, qui sont mis en place pour les clients. On a vraiment des endroits pour se poser, pour parler des projets qui sont très, très, très agréables. Regardez, les poissons, forcément, ça attire énormément, énormément de monde. Hein, si vous reconnaissez quelqu'un sur les vidéos, dites-leur coucou, hein, ils seront contents. Là, dans l'instant, il y a un petit peu moins de monde de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai aussi lancé. Regardez un petit peu, donc, demoiselles, ces clowns, en fait, ils sont gigantesques. J'espère qu'on les voit bien. Mais comme ils sont vraiment très proches de la vitre, c'est pas évident. Là, c'est éteint parce qu'il est encore un petit peu stressé, et c'est normal. En plus, avec le monde d'aujourd'hui, ça va pas l'aider à déstresser. Voilà. Ah. Ça, c'est vraiment du plaisir, du plaisir, du plaisir. Ah. Là, il y a du petit Coderni. On va revenir parce que c'est quand même la chose que j'adore aussi. Tout ça, c'est de l'élevage. J'ai réussi à vous mettre une photo d'un mandarin, un splendidus, tout à l'heure, parce qu'ils sont pas évidents, parce qu'ils sont tous dans des très grands bacs. Hein, c'est quand même des très très grands bacs, donc c'est pas évident à prendre en photo. Je vais essayer de vous partager ça. C'est pas mal, c'est effectivement. C'est magnifique. Ouais, la petite gobie là. Vous mettez ça avec une petite crevette pistolet, ça va être super. On va repasser sur les coraux. Et alors, là, je vous ai montré avant les lunettes, juste pour rigoler. Regardez ce bac à corail avec lunettes, sans lunettes, avec, sans. C'est quand même très très net au niveau de la perception de la caméra, parce que nous à l'œil on les voit bien, mais et donc ça c'est des lunettes qui viennent de chez D&D, de chez The Aquarium Solution, et c'est très agréable à porter. Et quand on là on a vraiment des très très belles couleurs sur les coraux grâce à ça, donc ça fait un peu à l'américaine, hein. Je sais que pour ceux qui aiment bien les bacs américains avec plein de couleurs, là on est vraiment très très proche de ça. Hein, c'est fluo de partout. C'est vraiment superbe. Et comme vous voyez, il y a du monde. Et étonnamment, il y a des gens qui viennent acheter des croquettes, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de monde du côté haute mer. Hein, on a vraiment des choses super dans les bacs. Là, des oanthus absolument irrésistibles qui sont pas sous une lumière énorme, mais ça suffit. Hein? Alors dites à personne, mais là il y a des admins de groupe, hein? Hein, les accros du Récifal qui sont là, en force. On est de Besançon, nous. Bah oui, forcément, les locaux de l'étape, hein, ils ont repéré le circuit avant de venir, je suis sûr. Donc, c'est... Voilà. Et
Voilà, je vais essayer de m'extraire un petit peu de la pour finaliser tout ça. Hein, j'espère que tous ces partages, ça vous plaît. Je vais me mettre à un endroit un petit peu plus calme pour clôturer, histoire que ce soit plus agréable pour vous aussi. Hein. Alors pour ceux qui se posent la question, ouais, j'ai une super casquette de chez Recipatum que je remercie encore. Hein. Et puis, n'hésitez pas, venez, on s'amuse beaucoup là, chez Recipatum. Et à plus.